à Lyon pour les finales des Olympiades nationales. Donc c'est le concours d'excellence pour les jeunes qui se préparent à nos métiers. Et donc c'est un événement important parce que dans 2 ans, au même endroit, se dérouleront les finales internationales. Et donc la ville de Lyon et les services auto sont extrêmement fiers de participer à cet événement. Dans ce cadre, eh bien, on essaye d'attirer des jeunes vers nos métiers, mais également des moins jeunes, des demandeurs d'emploi, des salariés en reconversion. Et donc, au cours de cette manifestation, on a l'occasion de rencontrer à la fois des professionnels du secteur, mais également tous ces publics en recherche d'emploi. Pour nous, les Olympiades des métiers, c'est aussi le moment de lancer la semaine des services de l'automobile et de la mobilité. C'est le moment phare pour parler des métiers au sein des services de l'automobile du 29 janvier au 5 février. Et on espère retrouver nombreuses les entreprises et les CFA pour cet événement. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir accompagné des groupes de jeunes sur les World Skills 2022 afin de leur faire découvrir les métiers de l'automobile, que ce soit la carrosserie ou la peinture et la mécanique aussi. Et de leur faire découvrir que ces métiers existent et qu'il y a des formations et des places à prendre dans nos entreprises. On est très contente d'avoir découvert plein de métiers, y compris tout ce qui concerne l'automobile. Et j'y avais pas forcément pensé, mais ça pourrait être très intéressant de plonger dans ce monde. Moi, je suis un grand passionné de mécanique. Du coup, ça peut m'apporter que du plus. Mettons, quand on voit les jeunes qui sont en train de faire des compétitions, on les voit faire démonter des moteurs, les remonter. C'est toujours plaisant de voir ça, je trouve. J'aimerais bien participer à ces concours-là, pourquoi pas. Peut-être l'année prochaine, si je me sens prêt. Ça pourrait être cool, je pense. Et puis c'est bien aussi de partager notre métier et d'expliquer à d'autres personnes qui ne savent pas ce que c'est, comment on travaille. Moi, dans l'avenir, je vais déjà finir mes études. Et puis ensuite, pourquoi pas ouvrir un garage plus tard. Alors aujourd'hui, je viens faire de la démonstration en fait sur la mécanique cycle avec notre formateur pour montrer aux jeunes et aux personnes intéressées ce qu'on fait un petit peu comme mécanique sur les vélos. Je ne pense pas que les jeunes sachent à quel point le métier du cycle est en train de bondir. On est sur une montée en puissance dans tous les domaines. Je suis là pour la journée de la mixité. Présenter un petit peu la mécanique du point de vue d'une femme, les petites différences qu'il peut y avoir et encourager s'il y a des femmes qui veulent s'intéresser à la mécanique. On est des femmes dans un monde d'hommes, précisément, et que c'est pas courant et que ça peut attirer d'autres femmes comme nous. Forcément, c'est un peu plus dur, surtout que moi je travaille dans le véhicule utilitaire, c'est encore un peu plus dur que la voiture. Il faut se lancer en fait, il faut juste faire sa place. Parce qu'au début, il faut un peu avoir peur et se dire ça va pas être facile, etc. Mais on s'en sort. Là, je suis en maintenance véhicule automobile, mais j'aimerais aller en carrosserie du coup, après mon bac. Partir en carrosserie et après, pourquoi pas ouvrir mon garage, tout simplement.